Attends. Avant de penser à divorcer ou engager un procédé de divorce, pensez à ça. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner sur notre chaîne, à enregistrer cette vidéo parce que ça sera bénéfique pour vous. Alors, avant d'entamer ou avant de commencer un procédé de divorce, pensez à ça. Bi-idnillah. Ça peut être quelqu'un qui est touché ou un couple qui est touché par un exemple, une sorcellerie. Et cette sorcellerie-là, c'est elle qui le bloque ou c'est elle qui le fait, le pousse pour divorcer, pour engager un divorce. Combien de familles que j'ai suivies auparavant qui s'étaient touchées un exemple par une sorcellerie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sourate al-Baqarah, quand il parlait de Sulayman, l'a dit wa yata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. L'a dit celles ou ceux qui prenaient la sorcellerie dans le sens de ayat, qui apprennent comment un exemple casser un couple, comment la femme ou l'homme ils vont plus devenir ensemble, ils vont divorcer un exemple. Enfin, c'est parmi la sorcellerie la plus répétée, si celle-ci. Alors, avant de commencer un exemple, ou avant de penser, surtout ceux qui sont les enfants, certains, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, certains 10 ans, et après, jour au lendemain, ils commencent à divorcer. Alors, avant de faire ça, faut penser bien à faire un exemple et ruqya, à suivre un traitement, à faire un diagnostic pour comprendre si ce n'est pas vraiment. Ça vient pas vraiment un exemple d'une sorcellerie. Une sorcellerie qui bloque, une sorcellerie qui est un exemple, qui est celle-ci qui engage, celle-ci qui crée les problèmes entre le couple. Ça crée les problèmes entre les enfants, ça crée les problèmes financiers, ça crée les problèmes, un exemple dans la maison, et plein de problèmes qui ça arrive tous les jours, qui en général, en vérité, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est pour cela. Comme je vous conseille, bi-idnillah, si un exemple, vous sentez que vous avez certains symptômes, je vous conseille un exemple à faire une ruqya ou faire un diagnostic pour comprendre de plus. Et après, vous voyez si un exemple, c'est vraiment de la sorcellerie ou c'est vraiment qu'un exemple où vous voulez se séparer naturellement. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Abghadul halal inda Allah » La chose parmi les halal que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas, c'est le fait qu'un homme, un exemple, et une femme, ils vont divorcer. Ça c'est halal, mais Allah subhanahu wa ta'ala il déteste ce halal-là. Non. Laisse-nous un commentaire si vous avez ce genre, bi-idnillah, de symptômes et on vous répond, inshallah, bi-idnillah, samil alim.